Salut tout le monde. Eh bien écoutez, je suis dans le Convention Center, il est plus de 19h là, vous voyez mes cernes, toute la journée passée, regardez, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. On est resté, bon ça ferme à 18h normalement, ou 18h30. Mais on est resté dans le salon pour assister à un event un peu select de Square Enix qui nous ont montré, alors j'ai envie de dire un trailer. D'un soi-disant Final Fantasy. C'est pas vraiment un Final Fantasy qui est annoncé, mais en tout cas c'est le nom de code, et c'était une démo technique d'un Final Fantasy Agonies ou un truc comme ça, je sais plus. Mais la particularité, mes amis, c'est que c'était pas un trailer, c'était quelque chose, c'était une démo live, c'était du gameplay en live, et je vous jure que tout le monde était bouche bée, mais sans déconner. Vous voyez les phases de trailer, les phases de... les scènes, j'ai envie de dire, sur un Final Fantasy, même un Final Fantasy XIII. Et ben là, c'est la même chose, sauf que c'est un gameplay live. C'est un gameplay live. Et pour nous le prouver, il nous a même fait des pauses sur l'image. Et il a commencé à se déplacer autour du personnage, à modifier sa barbe, à modifier la couleur de ses cheveux. Incroyable. Et ça nous montrait à quel point le futur du gaming avance et à quel point on va être... on va être servi avec la next-gen des consoles, etc. Ça risque vraiment de rendre quelque chose d'assez exceptionnel. Alors bon, une longue, longue première journée. Là, je me rapproche gentiment de la sortie. J'ai vu plein de jeux. Bon, vous le verrez de toute façon dans la vidéo récapitulative que j'ai vue avec FIFA 13 et Dead Space 3. Il y a eu plein d'autres jeux aussi. J'ai pris des photos, des vidéos avec mon appareil. J'ai hâte de monter tout ça une fois à mon retour pour vous le montrer. Et puis voilà, j'espère que ces vidéos récapitulatives vous plaisent. En tout cas, prenez soin de vous. Salut.